tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo. Je vais vous faire un petit haul donc avec la société Panda Haul. Vous vous souvenez, j'avais demandé la petite machine comme ça. Donc allez, on va faire un petit test. Alors je vous donne la mesure de la petite machine. 14 plus haut, hein. 14 sur 12, je crois. Ouais. Alors, je peux pas vous le donner comme ça. Donc, ça nous fait 11 cm. 11 cm sur 8 cm. Elle est trop, trop choupinou, cette petite machine. Alors, je vous donne les mesures au niveau des plaques. Bon, c'est comme celle que j'ai, hein, la toute petite. Ah, elles sont belles. Oh, elles sont belles. Allez, combien font les plaques? 16 sur presque 8 cm. 7,60. Voilà, donc j'en ai deux. Alors là, vous voyez, vous avez un petit butoir qui va vous permettre d'enclencher donc le papier et les découpes, enfin le die dans la machine. Voilà, faut pas le mettre du côté ou qu'il n'y a pas le... Ah bah c'est bon, c'est de... Ah bah c'est bien. Contrairement à celle que j'ai là toute petite, vous voyez, il y a un côté qui a une butée et l'autre il l'a pas. Donc faut faire attention. Bon là, apparemment, elles ont bien pensé. Elle a l'air de bien aller. Bon, là j'arrive au bout. Elle a l'air de bien aller. Donc, on va faire quelques petites découpes. Bon, c'est pas non plus pour voir les découpes, hein. Je vous fais des découpes pour vous montrer que bah, elle fonctionne très, très bien. Donc, on va faire une petite découpe avec le petit nuage. Voilà, c'est des bulles. Hein. Alors, je pose. Je mets mon petit die. Je crois qu'elle va bien couper. Je crois qu'elle va super bien couper la petite machine. Hop, je recule parce que... Elle va bien. Ah, elle va bien. Ah, c'est chouette. Voilà, vous voyez, oh, impeccable. Franchement, elle coupe super bien. Je suis ravie. Allez, on va en faire une autre. Donc là, il y a les petites bulles. Il y a les petites bulles. Alors, on va en prendre un autre, si j'ai envie. Alors, on regarde. Bon, là, franchement, on peut trouver notre bonheur. Hein. Il y a pas mal de cercles. Hop, vous voyez, là, ça rentre. Hein. Ça rentre. Alors... Donc ça, c'était un die que j'avais acheté chez Noz, il me semble. Oui, chez Noz, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on le pose sur le papier. On le pose sur le papier. Voilà, on met le petit truc en sandwich. Alors, je regarde que, voilà, que le papier est bien mis. Hop, on met. Ah, franchement... Franchement, je vais vous dire, hein, contrairement à la 6X que mon mari m'avait acheté il y a déjà quelques années, là, franchement, elle passe tout seul. Oh, c'est trop chouette parce qu'il y a des moments où il faut appuyer là, il faut vraiment, vous voyez, vraiment sur le bord pour que la plaque s'amorce dedans. Là, impeccable, elle coupe super bien. Je suis vraiment très contente. Ben, je ne regrette pas de l'avoir demandé. Regardez, elle coupe super bien. Je suis très contente. Allez, on va faire donc un autre. Allez, on va faire la petite fleur là. Voilà. On va couper un petit bout de papier. Hop, je la mets dedans.
Je presse à peine. Allez, hop. Ça va trop bien. Voilà, j'ai ma petite fleur. Elle coupe trop bien cette machine. Super bien. Bon, vous voyez, j'ai les empreintes. Hein, voilà. J'ai les empreintes des découpes. Mais bon, c'est pas très grave. Oh, c'est trop trop bien. C'est trop chouette. Moi, je suis contente. Regardez. Elle fait vraiment des belles découpes. Hein. Sans mentir, regardez, elle marque bien les petits traits. Voilà, c'est vraiment un pur bonheur. Bah voilà, comme ça, bah, au moins, si j'en ai besoin, bah, je sais qu'elle est là. Tu es là pour moi, toujours auprès de moi. Bah, allez, ça suffit, Christelle, tu vas pas chanter, il va tomber des trompes d'eau. Hein. Non, mais arrête. Hein. Ah, vous voulez que je vous en coupe encore une? Qu'est-ce que vous voulez que je vous coupe? Alors, attendez, on va ranger le petit... On va ranger ça, on va faire une... Ah bah attendez. Là, ça, je sais pas si ça marche. Je les ai jamais... je crois que je les ai jamais coupés. Attendez. On va... Hop, on va couper. Vous êtes exigeant, hein, quand même. Hein. Si, vous êtes exigeant. Bon, je mets mes petites plaques. Hop, j'ouvre. Vous voyez ? Je mets dedans et regardez, je mets à peine un petit coup sur la machine. Voilà, elle fait la petite découpe. Oh, trop contente. C'est trop chouette. Bon, par contre, ces coupes-là sont vraiment petites. Hein. C'est vraiment tout rikiki, mini, mini. Voilà. Hop. Hop. Bon, je vois que là, ça a craqué. Bon, c'est pas à cause de la découpe, c'est vraiment le die. Il est vraiment problématique, ce die. Il faut vraiment faire avec les petites lingettes. Hein. Vous voyez, j'ai tiré dessus, ça s'est arraché. Bon. Mais vous voyez, franchement, elle coupe super bien. Elle coupe super bien. J'en suis vraiment très contente. Voilà donc pour la petite vidéo. J'espère que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour sur la boutique. N'hésitez pas parce que franchement, ils ont mis plein de choses sur le scrap. Allez faire un petit tour. Je vous dis, la machine n'était pas très chère. Elle était à 29 euros aidée. Franchement, moins de 30 euros. Ça vaut vraiment le coup. Bon, vous n'avez pas de die, vous n'avez pas de classeur d'embroussage, certes. Vous n'avez que le prix de la machine parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais quand ils nous donnent quelque chose, vous payez hein, de toute manière. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, j'étais contente de vous faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite machine. Moi, je trouve qu'elle est vraiment super chouette. Voilà, en plus, elle ne prend pas beaucoup de place. Je ne vous ai pas donné donc... la mesure sur le côté, je vais vous donner. Sept centimètres. Je pense que je ne vous l'ai pas donné. Hein. 7 aidés, on va dire 7,10. Voilà donc pour la petite vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.